Coucou! Today we're going to learn a few tips, quelques astuces, so that you can use films and videos to learn French. Then we'll welcome Manon Kerjean, creator of Lost in Frenchlation. Manon organizes screenings of French films in Paris with English subtitles, followed or preceded by cocktails during which French and English native speakers can mingle and chat about films or just flirt. Comment apprendre le français en utilisant un support vidéo? Eh bien, d'abord, regardez le film une première fois en français en mettant les sous-titres anglais. This will allow you to get a general understanding of the story and get your ears and brain familiar with the dialogue. Ensuite, eh bien, regardez le film une deuxième fois, mais cette fois-ci, mettez les sous-titres en français. L'idée ici, c'est d'essayer de distinguer chaque mot. Vous pouvez même noter les mots que vous ne connaissez pas et que vous pourrez ensuite mémoriser. Depending on your level in French, you may need to repeat this a second time. It's really up to you and how much you want to learn. But don't exhaust yourself by trying to write down everything you don't understand. Enfin, la dernière étape consiste à revoir le film ou la vidéo une dernière fois en essayant de distinguer un maximum de mots. Dans l'idéal, vous comprendrez tout. Let's practice and welcome Manon Kerjean, a true Parisian who's going to tell us more about Lost in Frenchlation. Tout en français, bien sûr. Interview. Bonjour Manon. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va. Alors, dis-nous tout. Lost in Frenchlation, c'est quoi? Lost in Frenchlation, c'est une organisation qu'on a créée il y a 2 ans. Matt, le cofondateur, qui est australien, et moi qui suis française. Et tout simplement, c'est des projections de films français avec des sous-titres en anglais dans des cinémas indépendants à Paris. D'accord. Qui assiste aux projections? On a essentiellement des étudiants étrangers en échange à Paris, des expats, un peu de touristes. On a aussi des Français qui viennent pour améliorer leur anglais ou juste pour rencontrer des anglophones. D'accord, draguer. Ou qui accompagnent leurs amis anglophones aux projections. D'accord. Et si on regarde nos statistiques, on a surtout des filles américaines entre 20 et 25 ans. D'accord, alors les hommes, vous savez où aller. Et donc, où est-ce qu'il faut aller? Alors, on est tous les vendredis au Studio 28 à Montmartre. Et c'est la plus vieille salle de cinéma à Paris. Elle a ouvert en 1928. Et c'est aussi ici que le film Amélie Poulain a été tourné, dans cette salle de cinéma. D'accord. Et on fait aussi des projections au Brady, au MacMahon, près des Champs-Élysées. On a fait une projection à Londres la semaine dernière. On va faire des projections à Strasbourg en octobre. Et on va faire des projections en plein air aussi cet été. Projections gratuites en plein air en partenariat avec la mairie du 11e à Paris. Ah. Alors quel est le but de Lost in Frenchlation? Le but, c'est tout simplement d'avoir une offre pour les anglophones qui puissent aller voir des films français sous-titrés en anglais. D'accord. Et on pense que le cinéma français, ça fait vraiment partie de la culture française. On a un cinéma qui est très riche, avec des très bons réalisateurs. Et on a des très belles salles aussi d'art et essai à Paris. Donc on pense que c'est dommage de ne pas pouvoir en profiter. Et aussi, c'est l'occasion pour eux de se retrouver entre eux. C'est un peu dur quand on est dans une ville qu'on ne connaît pas et qu'on ne parle pas la langue, de retrouver des gens un peu comme nous. Et c'est ça qu'on a eu envie de retranscrire avec le nom Lost in Frenchlation. D'accord. C'est comme dans le film Lost in Translation de Sofia Coppola. Ces deux personnes qui sont dans une ville, qui ne connaissent pas et qui ne parlent pas la langue. Donc, ils sont perdus. Oui, c'est ça. Et est-ce que tu aurais des films récents à recommander pour ceux qui veulent apprendre le français? Potentiellement, tous les films, je pense, sont intéressants à regarder pour apprendre le français, parce que le français parlé est très différent du français écrit. Mais pour rajouter un peu de challenge, moi, je prendrais des films peut-être avec des accents. Notamment, l'année dernière, on a projeté un film qui se passe à Marseille, qui s'appelle Corniche Kennedy. D'accord. Donc là, on va avoir un accent du sud de la France. On peut avoir un accent du nord avec Bienvenue chez les Ch'tis. Mm-hmm. Un accent québécois avec les films de Xavier Dolan, notamment le film Mommy. Ouais. Et c'est grâce au film Mommy, d'ailleurs, qu'on a créé notre organisation. Ah bon? Parce qu'en fait, quand il est sorti, avec Matt, le cofondateur, on cherchait un endroit qui projetait le film avec des sous-titres en anglais. Ouais. Donc on a tapé sur Google Mommy sous-titré anglais. Et en fait, on s'est rendu compte que ça n'existait pas. Mais il y avait des sous-titres en français. Parce que les Français ne comprennent pas forcément l'accent québécois.
D'accord. Donc voilà. Après aussi, tous les films chantés ou les comédies musicales, notamment il y a le film La famille Bélier, avec un beau répertoire de chansons françaises. Et qui a eu beaucoup de succès en France, ouais, d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Je pense aussi à La Môme ou à Les Choristes. D'accord. Et à tous les films de Jacques Demy en général, Les Demoiselles de Rochefort, Peau d'âne, Les Parapluies de Cherbourg. Oui, Les Parapluies de Cherbourg, qui a d'ailleurs soi-disant inspiré le réalisateur de La La Land. Oui, oui, c'est sûr même. Ouais, c'est sûr, il a tout piqué. Voilà, ça, ce sont vraiment des films classiques, donc à regarder. Et un film que j'aime beaucoup aussi, c'est Les Chansons d'amour de Christophe Honoré. Ah, je ne connais pas. Et dernier point, les comédies aussi, je pense que c'est important, parce que l'humour, quand c'est pas dans notre langue, c'est pas forcément évident. Ah oui, c'est toujours le plus difficile. Et il y a des comédies en française qui jouent beaucoup sur le sens des mots, ouais. Notamment le Dîner de cons ou le, oui, Prénom, qui sont des films voilà, pas mal pour comprendre un peu l'humour français. Et alors, où est-ce qu'on peut avoir toutes les informations nécessaires pour assister à ces projections Lost in Translation? Sur la page Facebook, c'est le mieux, donc Lost in Translation. Ou alors, on peut aller sur le site lostinfrenchlation.com et s'inscrire à la newsletter pour rester au courant des événements. D'accord. Ben, merci beaucoup. Merci et à bientôt, toi. Alors. À bientôt. Okay, guys. Now you've got all you need to have some fun learning French using films and videos. So get to work. Allez, au boulot. Bon, amusez-vous quand même.